que vous avez ainsi qu'à été invité à cette table ronde dès ce samedi matin avec nous. Je me dois de vous transmettre une prérogative qu'on m'a demandé de transmettre et de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos téléphones portables durant cette interview qui t'empêche la carte ici. Je n'ai pas sûr qu'on puisse très bien que ça bon, bah, désolé, je ne pourrais pas tout de suite tweeter, instagrammer ou mettre des photos. Il faudra attendre 11h20 puisqu'on est ensemble jusqu'à 11h20. Après, il y aura un autre programme sur la même chaîne et sur la même scène. Donc, vous êtes venu converser avec Virginie Guillaume, que je salue. Merci aussi à vous de venir ici. C'est pas la première fois que vous venez à l'Irembauche, même pas la première fois que j'ai le plaisir de vous interviewer, parce que j'ai quelques années ici même sur cette scène. Nous avions déjà parlé ensemble. Devant vous ont été posés des livres de poche, qui est logique puisque nous sommes avant tout un festival de livres de poche. Mais votre tout dernier roman en date, qui est le 7e, si je sais compter. Merci, vous rassurez. C'est un samedi matin, c'est important de faire sur la clé. Est paru au printemps dernier, puisque le printemps c'est votre saison, c'est la saison où vous faites paraître vos romans, et s'intitule Les Possibles. On va commencer, si vous voulez bien, par parler de ce roman-là, puisque c'est celui qui fait votre actualité, et on le trouve aussi hein, sur le son où vous dédicacez d'ailleurs ce roman. Et le voilà dans la foulée, et on le mène, merci beaucoup. Sacré festival. Merci, merci. Ça me disait après que vous l'avez. Voilà, c'est un peu citoyen, ce roman. Donc, dans ce dernier livre, alors on a, c'est l'histoire que je vais pitcher très rapidement, parce qu'après, c'est vous qui allez déformer le reste. On a donc une femme qui est la narratrice, qui se voit visitée par son propre père, qui va revenir, alors c'est pas de chance, la femme pourrait quelque part habiter chez elle, puisque, un, sa demeure à lui a brûlé, donc ça c'est encore moins de chance. Et ils vont apprendre à se connaître parce que quelque chose a fait qu'ils se sont mal connus. Ce qui est le cas de toutes les familles, mais c'est le cas différemment dans toutes les familles. Et vous allez montrer comment c'est le cas dans cette famille. Ça va les mener loin, puisque c'est vraiment jusqu'à l'étranger quand même. Hein. Donc c'est dire ce qu'il faut faire pour se connaître. Et c'est bien ça, justement, les possibles. C'est tout ce qu'il faut faire, et tout ce qui est obligé, et tout ce qui est possible pour qu'on se connaisse. Comme toujours, vous parlez de famille, je dis comme toujours parce qu'en fait, tous vos romans, à ce jour, partent de la famille. Il y a eu souvent des questions de maternité, de comment on protège les siens, voir comment on couvre les siens, donc voir comment cela part. Là, c'est presque l'opération contraire. C'est quelqu'un qui revient, mais on reste dans la famille. Qu'est-ce qui fait, Virginie Grimaldi, que là, du 1er au 7e, à ce jour, c'est toujours la cellule familiale desquelles partent vos fictions, vos histoires? Alors, déjà, bonjour tout le monde, merci d'être là. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait la remarque, mais ça me semble que ça gravite souvent autour de la famille, parce que c'est un thème inépuisable, c'est un thème qui me fascine, parce que ça concentre un petit peu les relations humaines, et c'est un terreau des relations, justement, d'échanges, et je suis fascinée par la psychologie des humains, oui, des humains, et dans les relations familiales, je trouve que c'est là qu'on est peut-être le plus vrai, qu'on s'autorise en tout cas à l'être, et c'est peut-être pour ça que c'est plus, enfin, c'est quelque chose qui m'attire, il n'y a pas de faux semblants en famille, on se connaît, donc ça va plus vite, c'est plus direct. Et puis, moi, je suis très famille, je suis très attachée à ma famille, et donc, j'ai mis sur des sujets qui me touchent profondément, et pour l'instant, c'est vrai, c'est drôle parce que celui que je suis en train d'écrire, c'est pas du tout le cas. De rencontres, de solitude, justement, mais pas de famille. Et alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, justement, c'est là que c'est parti, toute l'histoire, en fait, vous répondiez, mais qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir creusé, justement, depuis que vous partez des mêmes terreaux, à savoir dans la famille, alors ça a été souvent une mère envers ses enfants, là, c'est une fille envers son père, on inverse un peu
Mais qu'est-ce que vous recherchez au départ? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir scruté, gratté, trouvé, approfondi? Non, c'est que quand vous travaillez vos personnages et quand vous travaillez, qui, pour le coup, on sent bien une recherche et le dialogue. Après, le dialogue entre les son petit-fils, quand même, ils sont comme ça. Oui, oui. Je cherche à travailler justement la famille. C'est ça qui est drôle quand on constate que je n'écris quasiment que sur la famille. C'est un vecteur pour parler d'autre chose, parce que les sujets qui me tiennent à cœur, ça va être plutôt le temps qui passe, ça va être les regrets, les rêves. Donc celui-là, c'est ça, c'est justement le regret de ne pas avoir réalisé ses rêves dans le temps imparti. La famille, je crois que c'est juste un moyen de parler de tout ça en grâce des personnages qui vont vivre cette expérience-là. Sinon, je parle souvent de maternité, parce que c'est un sujet qui me concerne, et je crois que je parle mieux de ce sujet qui me concerne. Il y a souvent une mère, il y a souvent. La narratrice, c'est toujours une narratrice, a toujours une mère aussi qui est présente. Et c'est vrai que ce lien filial est là, qui est très creusé pour le coup, que ce soit avec la mère ou avec le père ou avec le fils, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que ça évolue tout au long de la vie. Et qu'on soit enfant ou parent, ça évolue tout en restant de la même essence. Donc, si on a au départ une fois que la narratrice et son père, il y a aussi une part voisin, et puis il y aura plusieurs personnes de plusieurs générations de cette même famille. Et alors, ça va peut-être paraître singulier, et peut-être que ça va vous paraître une lecture masculine de votre roman, mais j'ai vu aussi quelque chose que vous avez chez vous sur la transmission masculine. C'est pour ça que j'évoquais le rapport entre le grand-père et son petit-fils. Est-ce que c'est une lecture qui entre en écho avec ce que vous vouliez dire? Ce que je vous dis, est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus creusé clairement? Oui, puisque un des personnages principaux, parce que Jean est le deuxième personnage principal de l'histoire, est un homme, ce qui a été rarement le cas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, les pères sont peut-être peu présents. Quoi que dans mon précédent, le père. Ou alors ils sont trahis, ou alors ils sont partis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est les hommes qui disent ça. C'est bizarre, c'est ça que vous retenez, mais c'est pas vrai, c'est pas toujours le cas. Il y a des hommes très bien dans mes livres. Il arrive que des hommes trahissent. C'est drôle parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, les hommes, qui me demandent aussi est-ce que vous écrirez un jour avec un personnage principal masculin. Et je crois pas que ce soit des questions qu'on pose aux hommes qui écrivent sur des hommes. Sans vouloir vous traiter des hommes. Sans vouloir vous traiter des hommes. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent aux femmes qui écrivent sur les femmes. Est-ce que vous écrirez un jour? Bon, là, vous l'avez pas posé. Donc, oui, là en l'occurrence, c'est un homme qui est très présent et qui est un homme bien, à peu près. Parce qu'il a aussi. C'est vrai. Mais c'est souvent le cas. Je ne fais que décrire la réalité. Il y a aussi la question de la mémoire, parce que la autre raison pour laquelle il va y avoir une rencontre qui n'avait pas eu lieu avant, c'est que la fille est devenue femme, la narratrice, c'est que le père est devenu un grand-père, et voilà. Et que donc, du coup, la question de ce qui se transmet et de la mémoire. Et puis, la mémoire, il y a un âge, et parfois ça peut commencer à être jeune, où on s'implante, on oublie, on oublie ce qui nous a rendu oublié, ouais. Et là, ce qui va lui arriver, lui, la mémoire qui déraille un chouïa. Est-ce que cette question de mémoire, et ça aussi est possible, parce que ce qui est possible, c'est aussi ce qu'on se rappelle plus très bien, ce qui est plus très bien, c'est qu'on se dit, bah oui, c'est possible. Voilà, c'est ça aussi qu'il y a dans les possibles du titre. C'est ce qui est plus très net. C'est juste possible, c'est pas net. Oui, c'est vrai que ça devient fou. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour Jean qui a 67 ans, donc qui est jeune. C'est pour ça qu'au début, sa vie pense que c'est. Juste son originalité qui s'est développée, parce qu'elle a toujours été un peu originale, et elle va se rendre compte assez rapidement qu'en fait, c'est autre chose.
Je voulais parler de ce thème de la démence, qu'elle soit Alzheimer ou démence vasculaire. Enfin, il y a plusieurs types de démence et on est très nombreux à y être confrontés. Je le suis en ce moment. Mon père est atteint d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ce qui m'a inspiré pour ce livre-là. Et c'est parce que j'avais envie de parler de ce moment assez tragique, mais qui apporte aussi de beaux moments, bizarrement, où l'enfant devient le parent de son parent. Et c'est un moment qu'on va tous vivre un jour ou l'autre, quelle que soit la situation. Et c'est quelque chose qui me marque beaucoup, moi, en ce moment. Donc, je ne pouvais écrire que sur ça, de toute manière, il n'y a que ça qui m'impliquait. Et voilà, c'est vrai que la mémoire, c'est. Je pense qu'on a tous peur de perdre la mémoire parce que c'est finalement, c'est ce que dit Juliette à un moment, la narratrice, c'est que c'est notre bien le plus précieux, c'est ce qu'on collecte tout au fil de notre vie et les souvenirs, c'est ce qui nous reste à la fin quand le corps ne fonctionne plus. Et quand la mémoire n'est plus là, qui on devient, est-ce qu'on reste la même personne? Et justement, c'est la question qu'elle se pose à un moment, elle se dit le père que j'ai connu toute ma vie n'existe déjà plus. Alors ça porte un nom que j'ai su après avoir fini l'écriture, ça s'appelle le deuil blanc, de faire le deuil de quelqu'un qui est encore là. Et c'est quelque chose d'assez particulier et d'assez difficile, mais c'est aussi la possibilité de rencontrer une nouvelle personne et de s'adapter à une nouvelle personne. Est-ce que ceci, donc ça, dans ces cas-là, c'est un peu près que j'ignorais, de décrire la première personne? J'ai pris un kilo pour l'écriture de ce livre, donc non, ça n'a pas été très évident. Là, pour le coup, j'ai vraiment j'ai beaucoup pleuré en écrivant. J'ai ri aussi parce que ça a fait ressurgir. Mon père m'a beaucoup inspiré pour le personnage principal. Le personnage de Jean, je pense. Et ça a été peut-être un. Enfin, je dis ça à chaque fois, ils sont tous compliqués à écrire parce que je vais puiser toujours profond en moi. D'écrire avec le jeu, alors que la narratrice est assez différente de moi finalement, justement ça permettait de prendre une certaine distance. Je crois que si j'avais écrit avec un elle ou un il, j'aurais été plus impliquée. Donc finalement le jeu me permettait de prendre de la distance, bizarrement. Il y a aussi un de vos thèmes qui est en gros la résilience, hein, qui se quand même entre la transmission et les familles. Livre après livre, là aussi, sur le fait de la résilience et la transmission, qu'est-ce que vous avez l'impression de creuser ou de considérer un peu différemment qu'avant? Parce que maintenant vous avez une œuvre, là, et puis en plus, c'est encore un peu très en cours, après, il y a quand même aussi une maturité, donc vous avez une maîtrise de vos propres narrations, ce qu'on ressent en tout cas. Ah oui, c'est très instinctif quand j'écris et je ne me rends pas compte d'une évolution où je sais pas. Non, c'est pas quelque chose que je ressens quand j'écris en tout cas. Même quand je relis après, j'ai toujours le même regard. C'est vers ce que j'écris. Donc, je ne sais pas, en ce qui concerne la résilience, oui, je crois que tous mes livres abordent ce thème-là qui est cher à nos amis du masque qui n'a plus. Parce que je reste persuadée qu'on est résilient, l'être humain est résilient et peut se masquer de tout et peut se renforcer de tout. Alors, je déteste la phrase, je ne la crois pas, la physique est aussi, mais n'oublie pas de nous rendre plus fort. Je ne crois pas de ça du tout, je crois que ça nous abîme, il y a des choses qui nous abîment, mais on peut en tout cas grandir et apprécier des moments même difficiles. Dans ce livre-là, c'est aussi ce que j'ai envie de raconter, c'est que même dans les moments les plus sombres, il y a des jolis moments. Je crois que c'est ça la résilience aussi, c'est de savoir voir ce moment-là. Et c'est un thème qui m'est cher parce que je suis comme ça. Donc, ça se retrouve en filigrane dans tous les livres. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, c'est en ça aussi que je voulais parler un peu de ce que le journaliste et le lecteur, je ressens comme tout grand maîtrise, d'avoir, quand vous commencez, quand vous imaginez une histoire et puis quand vous la commencez, est-ce que justement vous avez plus de facilité ou pas à faire parler la narratrice
personnage, à voir comment ça va, comment l'histoire va évoluer, ou alors... Non, c'est toujours aussi, aussi laborieux, et il y a toujours un moment où il y a pas de temps sur les trois chapitres. Je te dis surtout, on arrête, c'est vraiment, c'est toujours, et à chaque fois, parce que oui, tu m'as fait la même l'année dernière. Donc c'est, ça n'évolue pas à ce niveau-là, c'est toujours aussi compliqué, chaque phrase... qui semble pourtant être facilement écrite, c'est pas le cas. Chaque phrase va tourner dans ma tête jusqu'à ce qu'elle sonne exactement comme je veux qu'elle sonne. C'est comme une musique pour moi, il faut que ce soit percutant. Et donc, je n'écris pas très vite en réalité. C'est drôle parce que j'ai un livre par an, mais je fais beaucoup d'heures. Les écrits ne sont pas écrits en 3 semaines. Alors, est-ce que rythme d'un an, est-ce que c'est vous qui avait toujours eu envie, est-ce que c'est une décision de la littérature qui fait que, après tout, comme Henri Newton, comme Virginie Grimaldi, comme beaucoup de gens, je veux contenter, je vais écrire encore par an. Est-ce que c'est un truc que vous vous donnez Non, justement, à chaque fois que j'en termine un, je dis à mon éditeur, à mes éditeurs, que très certainement, il n'y en aura pas avant un moment, parce que j'en suis persuadée, je suis persuadée d'avoir donné tout ce que j'avais à donner, et à chaque fois, je les préviens. Pendant 2-3 ans, certainement, il n'y aura rien. Et maintenant, au début, il n'y avait pas tellement. Et puis maintenant, je crois que ça les verrait parce qu'ils savent très bien comment je fonctionne, mieux que moi. Et c'est-à-dire que très rapidement, après avoir terminé le livre, on va dire un mois ou deux après, ça recommence à la petite machine se remet en route. Mais je crois parce que j'ai besoin de ça aussi pour m'extraire parfois de la réalité. De raconter des histoires. Je me suis rendu compte de ça assez récemment. C'est que, comme on a besoin de lire pour s'évader, moi j'ai besoin de raconter des histoires et mon imagination fait très bien le job. Et donc ça se remet en route assez facilement. J'en ai besoin, c'est un vrai besoin. Alors après, peut-être que parfois ça doit être un pas de livre publiable. Ils sont au courant, j'ai rien signé d'avance, je m'engage pas. J'ai déjà prévenu aussi plusieurs fois que le jour où je reviendrai à raconter quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'ai pas envie de me dire, ah ben tiens, pourquoi je pourrais l'écrire, j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai été publiée sur le tard quand même, j'avais presque 40 ans pour le premier, donc l'histoire, j'en avais emmagasiné. Et la vie se charge toujours de nous trouver de nouvelles histoires à raconter. Voilà, on parlera toujours. Et dans ce cas-là, alors, puisque vous dites que 3 mois après que vous avez publié un roman, il y en a un autre qui commence à partir quelque part là-haut, effectivement, on le voit un an après, ce qui veut dire quand même que vous avez toutes les 5-6 mois à écrire un livre, qui est quand même. Oui, je sais qu'il y en a qui mettent 10 ans, voire plus, mais. oui, j'ai l'impression d'écrire lentement, mais finalement, vous n'êtes pas tant que ça. Mais est-ce que, à chaque fois, pour vous, un livre est le fils, enfin, un enfant, pardon, du précédent, par exemple, si je prends Dès que le vieux que les moments doux, c'était le roman de 2020, qui était un miroir un peu entre une femme qui venait d'avoir un enfant et une femme qui venait de voir son enfant quitter le foyer. Là, c'est une histoire, donc on l'a dit, d'un père qui vient habiter chez sa propre fille. Est-ce que vous considérez dans votre œuvre qu'un roman est l'enfant du précédent? Est-ce que, justement, c'est comme ça que nous prenons un peu l'avenir? C'est pas mal, finalement, mais je pense pas du tout comme ça. À chaque fois, l'idée, alors souvent c'est une idée à laquelle je pensais déjà avant, parce que comme je vous dis, j'ai été éditée tard, donc il y a eu une maturation de certaines idées. Mais parfois, l'idée, elle arrive, ben là, pour le coup, mon père est tombé malade et il a fallu que j'ai écrit sur ça. Et je n'ai pas fait du tout le lien avec le précédent. Alors peut-être que si on creuse, on va en trouver un. Mais moi, j'y pense pas du tout. Vraiment ? Vraiment. Ouais, vraiment. Non, je ne sais pas. Vous trouvez qu'il y a un lien là entre oui, parce que ça parle de la parentalité et de l'enfance et tout, ouais. Mais je pense qu'au final, il y a un lien entre les deux. Oui, peut-être. Comme j'en ai dit, ou quoi, tout le monde, en France comme à l'étranger. Voilà, forcément, il y a un lien entre les deux. Il doit y en avoir, puisque c'est comme ça qu'on... Oui, c'est comme ça qu'on... Oui, c'est comme ça qu'on... J'imagine que c'est comme ça qu'on observe les écrivains, les écrivains, les écrivains. Oui, non.
Enfin, je ne crois pas. Non, moi, bon, en tout cas, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas au lien qui attache deux œuvres de mes livres, de mes histoires. En général, quand je termine une histoire, alors elle reste en moi, parce que c'est comme ça, quand on a vécu plusieurs mois avec des personnages, c'est vrai qu'ils restent très présents et que je pense encore à eux des années plus tard. Mais je passe vraiment à autre chose et je ne réfléchis plus, je pense plus au précédent. Je ne saurais pas t'en dire, mais est-ce que votre père a lu le livre, du coup, ou je vous en rappelle? Non, il n'a pas lu, il ne lit pas, il n'a jamais vraiment lu, mais je lui ai dit plusieurs fois pendant l'écriture que j'ai fait sur lui, en tout cas, je l'installais, alors il oubliait à chaque fois. J'ai une très très belle photo de lui, où le premier que j'ai reçu, le premier exemplaire que j'ai reçu, c'est lui que je lui ai donné. Et c'est même parce que j'ai pris la photo, alors pour ceux qui ont lu le livre, il pose, il a la photo dans les mains comme ça, il a un grand sourire, et derrière lui, il y a un postal indien, et il a la coiffe comme ça au-dessus, et j'ai même pas fait exprès, mais c'est tombé comme ça, et cette photo, je l'adore. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué, c'est aggravé. Si je l'avais écrit aujourd'hui, ce ne serait pas du tout le même, mais là, c'est encore un peu dans le début de la maladie, donc. C'est pour ça qu'il peut avoir aussi une certaine légèreté qui aurait pu aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui compte ça, pour vous, le mot que vous venez de dire, la légèreté dans votre œuvre. Parce que c'est quelque chose qu'on apprécie, c'est quelque chose que les confrères ou confrères ou les lecteurs ou les éditeurs, du coup, vous reprochent avec l'étiquette Facebook, alors que c'est vraiment pas que ça. C'est pour ça que ce serait déshonorant en plus. Mais est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous, justement, de traiter avec légèreté des choses qui sont quand même, par définition, profondes? Mais c'est pas que ça compte, c'est que je suis fondamentalement comme ça, c'est qu'on est obligé, je crois qu'on est obligé, quand on dit des choses dures, d'y ajouter de la légèreté, et forcément ça se retrouve dans mon écriture, c'est qu'au quotidien, là, pour contrebalancer la difficulté de ce à quoi on est confronté, à côté de ça, on rigole, on vit justement, on s'attend encore plus des bons moments. Et comme ça, je ris beaucoup. Donc, peut-être que la tête se retrouve forcément. C'est pas quelque chose que je m'impose dans l'écriture. Peut-être qu'un jour, je serai beaucoup plus sombre et que j'écrirai des choses plus sombres. Peut-être qu'au contraire, j'écrirai des choses que légères. Je sais pas du tout comment je vais évoluer en tant que personne. Pour l'instant, c'est cette ambivalence entre j'ai un côté très lucide et assez sombre qui est contrebalancé par un côté très optimiste et joyeux. Donc, ça se retrouve dans mes livres. Et en effet, ça peut être assimilé à du feel good. Et je ne le redis pas parce que feel good, ça veut dire vivre qui fait du bien, parce que bien qui fait du bien, ça va, il y a pire comme insulte. Mais je crois que le feel good, ça finit toujours bien, que c'est que de la légèreté, que de la distraction. Et en effet, je ne retrouve pas mes livres dans cette définition-là. Est-ce que cette légèreté-là, vous l'avez aussi lorsque vous écrivez, lorsque vous êtes immergé dans les méandres de vos personnages, dans ce qu'on vient de voir, ça veut dire 50 mètres? Je lis quand les dialogues, là par exemple, Jean, il a des dialogues savoureux avec le voisin, M. Colin, et je ris quand les dialogues me viennent, quand les scènes me viennent, donc oui, je l'ai aussi. Et alors je pense que si je reprends rétrospectivement le livre en repensant à l'humeur dans laquelle j'étais, je vais reconnaître mon humeur dans les chapitres. Il y a peut-être des chapitres plus sombres, parce que c'est des jours où j'étais du mal plus sombre, et des chapitres beaucoup plus légers parce que j'étais joyeuse ce jour-là. Et je pense que ça peut se retrouver dans la lecture. Justement, ça peut revenir un peu au chapitre. Il faut que tous vos romans sont marqués entre autres par la chose, c'est des chapitres courts. Là, il y a quand même près de 80, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est votre manière de voir les romans qui sont d'une scène à l'autre? Est-ce que c'est parce que c'est un chapitre par jour que vous écrivez ou un chapitre par heure? Qu'est-ce qui fait que votre rythme de narration de fiction, c'est toujours qualifié? Alors j'y ai pensé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans chaque film. Et je crois que j'aime quand c'est rythmé. Alors
soit les livres, que ce soit les séries, et dans ma vie, et j'ai toujours peur d'être trop longue. Et ça, c'est drôle parce que j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps, quand on est invité chez des amis, je suis toujours la première à savoir et on va y aller parce que j'ai toujours peur de gêner et de rester trop longtemps. Et par exemple, le livre, ça m'arrête. Oui. Non, mais vous savez que vous partez à 3h. Non, on a tous des amis qui partent à 3h du matin, qui ne décollent pas, et devant lesquels on baille pour leur faire comprendre que c'est bon, vous pouvez y aller. On connaît tous ça, non? Mais j'ai pas envie d'être cette amie-là, en fait. Donc, et dans mes livres, ça se retrouve. J'ai toujours peur que ce soit trop long. Et les chapitres, ça veut dire que vous êtes un petit peu. Vous avez cette impression de gêne dans votre propre livre. Oui, dans votre propre histoire. Chez vous, il n'y a pas un endroit. Parce que quand je me relis, je me dis, oh là là, c'est trop long. Donc je vais couper et instinctivement j'écris, je vais au plus rapide. Je n'ai pas beaucoup de chair en fait. Il y a beaucoup d'autres. C'est la seule explication que j'ai trouvée. C'est juste que sinon j'ai l'impression de trop m'étendre. Mais ça va peut-être évoluer aussi. Là, dans ce que je suis en train d'écrire, je me rends compte que pour un des personnages, un des narrateurs, je prends plus le temps d'écrire, donc de rajouter des détails, et donc les chapitres s'allongent fortement. Parce que là, finalement, je vais droit au but à chaque fois. Donc ça va peut-être évoluer aussi. Peut-être qu'il y aura des chapitres de 80 pages. Oui, c'est vrai que ça a commencé comme ça, et ça se fait naturellement, c'est-à-dire que souvent, chaque chapitre correspond un petit peu à une scène à laquelle il y a une chute. C'est vrai que je le vois comme ça, je vois une scène avec une chute. Et donc je passe au chapitre suivant. C'est comme ça, mais ça se fait naturellement en fait. Je pourrais continuer en effet à la suite de la chute, mais je passe au chapitre suivant comme pour prendre une respiration. Et je crois que j'ai une écriture assez cinématographique, assez visuelle comme ça. C'est peut-être induit par ces chapitres courts. On se pose la question aussi parce que, à la base, vous avez commencé à écrire sur des communautés internet, sur des sites sur un blog, etc. Là, on se dit parce que c'est un écran et parce que c'est sur un phénomène de like, à chaque chapitre, etc. Voilà, ça, c'est un peu un code de ce moyen de communication-là. Peut-être que ça peut formater soit une écriture, soit un rythme. Oui, peut-être. Mon lancement, ça a été le blog. J'ai ouvert un blog en 2009 et j'ai écrit des quasi quotidiennement. Et c'est vrai que mon écriture, elle a évolué. Je l'ai fait en 2016 ou 2017. Mon écriture, elle a évolué au fil de ces années et elle est devenue plus percutante. Et peut-être que c'est ça en effet, ce format blog favorise ça et je vais continuer dans mes livres, peut-être. Je ne m'étais pas posé la question, mais c'est sans doute vrai. Quelle obsession vous avez, quelle curiosité vous avez l'impression de creuser, d'une part de vivre, on a parlé de la famille, de la résilience, de la transmission, le temps qui passe. Je crois que vraiment le thème de fond de tous mes livres, c'est le temps qui passe. Parce que, alors, pour le coup, c'est quelque chose qui m'obsède vraiment. Et je cherche encore le moyen de m'arrêter si vous avez. C'est vraiment quelque chose qui me fait du mal, ça. Que le temps passe si vite, et qui me fait du mal, et qui en même temps me pousse à profiter de l'instant présent. Donc, et ça se retrouve dans tous mes livres. Dans tous mes livres, le vrai sujet, le vrai personnage principal, c'est le temps qui passe. Et tout ce qu'il amène de regret, de souvenir, de lien, de. Voilà. Comme je disais, la famille, c'est vraiment un moyen d'aborder d'autres sujets. Et là, le temps qui passe, la perte de mémoire, en fait, les regrets qu'on a passé un certain âge, de se dire est-ce que, enfin, en tout cas, les questions qu'on a, est-ce que j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance dans ce livre aussi, entre les deux sœurs et le père. Donc, on peut tous les prendre un par un, ils parlent tous du temps qui passe. Ah, là, du coup,
voit des gens qui passent, mais du coup, en général, c'est ceux qui sont dans cette angoisse-là, c'est des gens qui sont sur l'activité, sur la production. Du coup, je pense qu'on va continuer à avoir un différent qui a fait une petite pendant. C'est bon, on a besoin de déclaration, mais c'est pour nous. Pour tous, je ne sais pas, mais pour nous, ça fait. Ah, moi, j'aime ça. Moi, vraiment, je me sens bien. Là, je me suis remise à écrire pour le prochain, et ça me manquait. Et le jour où je me suis remise, le soir, j'en ai pleuré de me dire, oh, mais c'est tellement bon, ça m'a manqué. En fait, pendant plusieurs mois, je n'ai pas écrit, et ça m'a vraiment manqué. Donc, non, moi, pour moi, c'est un plaisir. Donc, je le dis, mais pour un parent, il n'y a pas de souci. Merci à vous, merci à vous, merci.